Bonjour. Le 14 juillet est une fête nationale. C'est aussi une fête pour moi. En effet, j'avais lorgné depuis longtemps sur ce petit bateau et ça y est, il rejoint enfin ma flotte et mon atelier dans la salle à manger. Car comme vous le constatez, sa taille raisonnable devrait me permettre de l'y gérer sans trop faire hurler madame si je ne prends pas trop de temps. Que voyons-nous là? Nous avons en fait un panaché de matériel Cheddar et JMC. La machine JMC est une 1 cm3. J'ai déjà eu l'occasion de la présenter sur d'autres bateaux, mais enfin, je la vois ici directement. Donc, c'est une machine à coulisses de Stephenson et sa cylindrée unitaire est donc de 0,25 cm3 par cylindre. Et comme c'est un double effet, ben ça fait donc 1 cm3 en tout. Donc c'est 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Vous avez la coulisse de Stephenson, comme les grands. Vous avez ici un petit joint. Alors, le bateau n'est évidemment pas construit. Je n'ai pas d'hélice, je n'ai pas de gouvernail. C'est du travail. Donc la chaudière est minuscule. Alors ce qui est ennuyeux, c'est qu'elle est en pas anglais. Ça, c'est toujours la grosse galère avec nos amis anglais, c'est qu'ils ne sont pas en métrique. Et un mini tank Cheddar. Et là aussi, c'est pareil. Il va falloir que. Entre lui et la partie mâle, je puisse mettre un raccord. Je pense que ce sera du 1 quart 40. Enfin bon, de la galère comme d'habitude. C'est souvent un quart 40. C'est malheureusement souvent un quart 40. Donc on a quand même ici la petite valve de sécurité. Ici donc le petit niveau. Et ici une petite purge de niveau. C'est très pratique. Et j'ai ici le petit manomètre. Qui est gradué, ah bah tiens c'est bien, en tout cas, hop, voilà, il est gradué a priori en barre. Donc, de toute façon c'est une petite machine que je vais faire tourner aux alentours du bar et du 2 bar comme d'habitude. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'attendais ce 14 juillet avec impatience. C'était pour récupérer ce bébé. Voilà, ben, j'espère que vous suivrez ces aventures. Alors autre truc amusant, la chaudière donc est une verticale et a priori, donc c'est un tube de fumée et la cheminée est en inox, mais elle pèse rien. Donc j'ai tout ça à faire, ça va être très sympa. Alors évidemment tout est minuscule, hein. Graisseur lilliputien, petite vanne lilliputienne. Mais bon, si tout ça fonctionne, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Hein. Voilà, bah voilà pourquoi j'attendais avec impatience ce 14 juillet. Au revoir les amis.